Et retour sur la mort d'un grand écrivain, les obsèques de Michel Tournier, décédé lundi 18 janvier à l'âge de 91 ans, ont lieu cet après-midi à l'église de Choisel dans les Yvelines. Le bâtiment est situé à côté du presbytère dans lequel il résidait. Une centaine de personnes étaient présentes pour lui rendre hommage aujourd'hui. Ses amis, sa famille, mais aussi les habitants de la commune et quelques personnalités littéraires comme Bernard Pivot étaient invités. Après la cérémonie, le cercueil a été enterré dans le cimetière situé derrière sa demeure, sous un arbre qu'il avait lui-même choisi. Alain Seigneur, maire de Choisel, nous a fait part de sa tristesse. Aujourd'hui, c'est la sépulture de Michel Tournier, donc le dernier hommage qu'on peut lui rendre, avec sa famille de cœur, ses neveux, et tous les habitants de Choisel, puisque pour nous, c'était quand même une figure depuis plus de 50 ans qu'il vivait à Choisel. Et on le rencontrait facilement, donc c'est vraiment un moment, je dirais, intense, dommage qu'on veut lui rendre.